Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode du Volgulk coup de cœur. Donc oui, j'ai décidé, bon, comme je vous avais annoncé, je ne ferai plus trop de vidéos pour cette année 2015, hein. Je vous souhaite une bonne année surtout. Et pour cette nouvelle année, donc on va commencer par un premier jeu qui est vraiment un gros coup de cœur, hein. C'est un jeu pour lequel je m'amuse beaucoup. Donc ce jeu s'appelle, comme vous pouvez le voir, The Binding of Isaac Rebirth. Donc ce que je vais faire, hein, comme c'est un jeu coup de cœur, je vais vous faire plusieurs épisodes. Donc qu'est-ce que je vais faire comme épisode? En fait, je vais refaire tous les personnages du jeu. Sauf un, donc je vais vous le présenter rapidement, hein, donc voilà, on peut choisir. Alors dans cette particulière dans les particularités du nouveau Binding of Isaac, donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs emplacements de sauvegarde pour pouvoir recommencer le jeu à sa guise et le terminer comme on veut. Et un nouveau truc, c'est que même vous pouvez vous arrêter, vous couper le jeu en cours de route, et donc créer un, comment ça s'appelle, créer une petite sauvegarde qui vous permettra de recommencer le jeu plus tard. Bien sûr, il y a aussi, comme dans l'ancien, des challenges. Donc voilà, là par contre ils sont au nombre de 20. Je crois qu'il y en avait autant dans l'autre. Non, je crois qu'il y en avait moins, je ne sais plus. Je les ai pas fait depuis longtemps. Non, je crois qu'il y en avait une dizaine dans le précédent. Donc voilà, hop. Donc bien sûr, je joue à la manette là, donc il y a les stats, voilà, vous pouvez voir, hein, j'ai eu beaucoup de morts, j'ai presque tous les items. Là, on va jouer avec ma partie principale où je vais vous montrer, je vais parler des objets. Donc là, je vais pas tarder, hop, on va donc lancer une nouvelle run. Donc je vais jouer avec Isaac. Et je vais jouer bien sûr en hard. Je vais faire que du tout ce mode hard, sauf avec The Lost, parce que The Lost a une particularité. Je vous en parlerai par contre sur le dernier épisode. Donc, c'est parti. Donc voilà, donc on va jouer avec Isaac. Donc ça y est, ça commence bien. Donc on a le triple shot. On commence direct, hein, avec le dégât. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, l'objet utilisable en haut à gauche, c'est le D6. Le D6 que vous débloquez en finissant donc le cœur de môme, donc c'est un boss, 10 fois. Et après, il faut, pour débloquer le D6, il faut jouer le personnage Blue Baby, ou 3 points d'interrogation selon son nom, et aller battre Isaac, un autre boss du jeu. Donc vous. Donc là, il y a des mini-boss qui représentent les 7 péchés capitaux. Donc là, vous avez, hop, la Luxure. En fait, elle faut que vous courir après. Elle a une chance de vous donner une pilule ou l'objet Poison Touch, qui en fait, chaque fois que vous faites toucher, et ben vous recevez un poison. Ah, c'est un XL, j'avais pas vu. Ouais, vous avez une chance plus tard de débloquer débloquer les niveaux en XL. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si vous faisiez les deux niveaux en même temps. Parce que chaque fois, vous avez deux niveaux. Là, vous commencez par là, j'ai compris. On commence toujours par The Basement. Tiens, c'est quoi ça? Indéfini. Indéfini, en fait, ça vous téléporte ou dans la. Je crois c'est dans la salle. Dans cette salle-là, dans les salles items, donc ça c'est la salle à items qui vous file un item à chaque fois. Dans les Devil Rooms, donc c'est des comment dire, des salles qui pop aléatoirement. Code Room, donc pareil, c'est la même, c'est son opposé. Sinon, je crois que ça vous téléporte aussi dans la Glitch Room. Donc la Glitch Room, vous pouvez la voir très rarement, hein. Des fois ça arrive, mais avec ça, bah, ça augmente les chances de l'avoir. Mais bon, la Glitch Room, en fait, ça vous fait sauter comment dire, le niveau qui est en cours, parce qu'en fait, ça vous amène dans le passage qui vous amène au niveau
suivant. Donc on va pas le prendre. Et on va utiliser le D6 parce que le D6 en fait vous permet de reroll l'objet. Alors là c'est les bandages de Lazarus, un autre personnage du jeu, qui en fait quand vous mourrez, vous prenez la forme de Lazarus et vous devenez Lazarus, vous devenez le personnage. Ce qui est très embêtant si vous voulez faire une run qu'avec le Isaac ou avec je sais pas quel autre. Donc voilà, il y a plein. Et c'est pareil pour. Il y a d'autres items qui font pareil. J'espère qu'on les verra en cours de jeu. Je vous en parle. De manière, je voulais vous faire cette vidéo juste pour donner quelques explications. Bien sûr, hein, je vous donnerai à chaque personnage les petites anecdotes sur leur signification. Hein. Donc Isaac, bien sûr, fils d'Abraham, hein, qui a été mis sur l'autel du sacrifice, hein. Mais que Abraham n'a pas sacrifié parce que, qu'en fait, c'était juste pour voir si Dieu devait faire confiance à Abraham. Ah, il a eu de la chance, il pouvait lui faire confiance. Heureusement pour lui. Donc c'est une chèvre à la place qui a été sacrifiée. Chèvre qui se trouvait là juste à ce moment-là. Par contre là, je fais un peu n'importe quoi, je me fais toucher, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je ne suis pas concentré, je suis concentré aussi à dire ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire aussi, c'est donc j'augmente la charge du dé. Vous voyez, il augmente à chaque fois que je finis une salle. Et donc. Donc là, vous avez les pilules. Ah, voilà, ça me permet d'avoir un cœur. Hop. Et là, je vais retourner dans la salle où il y avait les bandages de. Là, je vais faire exploser ici par contre. Donc les pilules, vous avez plusieurs effets. Ah, alors ça c'est un trinket, c'est la Curved Horn, donc ça m'augmente les dégâts de 2. C'est très bien, c'est... Donc vous voyez, hein, vous avez des stats, je vous mets pause, vous avez des stats. Donc là, hop, le Mongo Baby, je vais le prendre, donc c'est le bébé un peu mongol, mais un peu trisomique, hein, voilà. Sauf que il est très bien parce qu'il fait les en fait il tire les mêmes larmes que vous, non pas vraiment les mêmes, mais il tire à la même cadence que vous en fait. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que les autres mini pets ne tirent pas la même cadence, ils tirent à leur cadence, et donc voilà. Après il y a plein d'autres trucs, donc je vais faire plein d'arrêts là. J'aurais bien aimé vous faire le boss rush. Donc pareil, là vous avez aussi les. Mais bon, là je vais faire plein d'explications. Il y a peut-être des. Comment dire, des persos avec lesquels je ferai le boss rush. Donc le boss rush, c'est finir le. Aller jusqu'à Mom en moins de 20 minutes. Et là je fais n'importe quoi. Pour que je me concentre. Pour le premier épisode, de toute façon, je vais faire n'importe quoi. Donc ça, c'est la page manquante. La page manquante. Ouh. Permet de, je crois, de. Je fais encore n'importe quoi. Je me souviens bien, oui, de faire un dégât dans toute la salle. Voilà, hop, super, elle m'a rendu un cœur. Ça, c'est The Belt. Donc, ça vous permet d'aller plus, de marcher plus vite. Donc là, on va passer au prochain. Pin, boss tout à fait fastoche. L'araignée est pas trop fastoche, l'araignée qu'on a vu tout à l'heure, mais là, en fait, vu que j'ai les trois larmes, ça va un peu plus vite, hein, au niveau dégâts, ça... Puis en plus, j'ai le Mongo Baby, voilà. Donc voilà, de temps en temps, voilà, il va popper ou une Evil Room, donc l'Evil Room, c'est ça, donc dedans, c'est en fait, là, la statue, vous voyez, c'est la statue de l'ignoble Satan, qui vous propose de prendre de vous donner un item en l'échange d'un de vos cœurs. Donc là c'est des cœurs rouges, ça peut être des cœurs gris si vous êtes sous un autre personnage ou si vous n'avez plus de cœurs rouges et que des cœurs noirs ou gris.
Donc là, vous voyez, je passe, vu que j'ai fait les premiers niveaux en une seule fois, parce qu'en XL, en fait, c'est comme si vous faisiez donc les deux niveaux. Là, je passe dans le deuxième stage, qui est les caves, qui est aussi séparé en deux. Ils sont tous séparés en deux. Et vous pouvez aussi tomber en XL avec. Et là, vous voyez, j'ai aussi absorbé des cœurs noirs. Donc là, je vais rentrer dans cette salle. C'est la salle avec les petites dents en pointe, donc il faut faire attention. Heureusement, j'ai explosé donc les feux bleus qui me permettent. Ah, donc là, vous voyez, j'ai dévoilé une God Room, donc le contraire de l'Evil Room comme on a vu tout à l'heure. Et celle-là, voilà, elle peut me donner ou des cœurs gris ou des cœurs sacrés que on verra peut-être ici ou sur un autre épisode. Hop. Voilà. Donc, je vous parle pas des mobs, hein, je vous parlerai peut-être des mobs dans un autre épisode. Hop, là c'est des nouveaux mobs. Hop, une pilule. Qu'est-ce que c'est? Speed up. Donc je vais un peu plus vite. Heureusement j'ai des clés. Oh, j'ai pas. Ah, ça c'est le descend, donc ça vous fait tour au rôle, tout ce que vous avez sur vous, sur les items, tout ça. Et j'en ai pas trop besoin, j'en vois pas trop l'utilité, donc je vais le refresh. Ça c'est, hop, c'est le, ici, Long Legs. C'est, bah, en fait, c'est une, je vais le prendre, hein, c'est en fait, c'est une petite araignée qui vous pond des petites araignées bleues. Donc c'est la maman araignée qui pond ses petits. Et les petits, en fait, la nouveauté dans celui-ci, de Isaac, en fait, vous avez des petites araignées qui vous aident. Voilà, elles se kamikazes, elles font les kamikazes contre les ennemis. Elles font du dégât, sachant qu'elles ont les mêmes dégâts que vos larmes. Hein. Elles se placent au même nombre de dégâts que vos larmes. Hop, voilà, voilà. Bah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop, je vais tuer le marchand, qui n'est pas vraiment un marchand vu qu'il est plus là. Donc là vous avez le cochon tirelire qui en fait vous permet chaque fois que vous faites toucher de laisser tomber une pièce. Ça laisse tomber une pièce ou deux, je crois que c'est deux, une ou deux, oui. Et là le sac de maman qui vous permet d'avoir deux trinkets sur vous. Par contre je vais tenter un truc là, tac, hop, on va pousser la bombe, voilà, nickel. Ce que je voulais. La clé, elle est de l'autre côté. On la récupère. Bingo. Voilà. Combien de temps? 9 minutes. Ouais, ouais. On va aller essayer de speeder. Je vais vous présenter que les trucs. Donc là, vous voyez, ça, c'est aussi des nouveaux mobs par rapport au premier. C'est les caca glisseurs. Bon, là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais t'es full vie, tu pourrais y aller. Hein, parle pas trop. Donc là, voilà, j'ai un. Hop. Nouvelle aussi particularité dans ce jeu, c'est j'appelle ça des debuffs de salle en fait, des effets de salle, voilà, je cherchais des. C'est que des fois vous pouvez avoir des effets de salle, genre vous voyez plus vos cœurs, donc vous savez pas nombre de vies, et vous savez pas non plus bah, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Ah bah tiens, j'ai eu l'araignée tout à l'heure, là j'ai double araignée, donc des fois vous pouvez avoir des salles avec double araignée. Hop. Donc voilà, moi j'aime pas les araignées d'habitude, c'est les petites parce que des fois voilà, elles vous foncent dessus, mais là je fais assez de dégâts avec mes larmes, donc parce qu'en fait elles se prennent les trois, voilà, donc ça. C'est les pailles. C'est les pailles qui se mettent dans les yeux et en fait c'est un tears up. Donc le tears up c'est la cadence de tir des. Donc ça on l'a déjà fait. Ce qu'on peut faire aussi maintenant c'est. Bon je vais le faire, je vais vous le montrer. Hop, on va le faire très rapidement. On peut bomber. Et voilà, ça fait venir l'ange. Donc c'est un petit combat que vous pouvez faire pour en fait je vais vous montrer ce que ça débloque. Là, vous le bombez. Hop. Là, il a décidé que de me balancer des petits mobs. Ouais,
D'habitude, il n'est pas si simple que ça parce qu'il vous fait aussi des. Voilà, il fait des rayons en croix, c'est pas. D'habitude, mais là, en fait, il choisit aléatoirement ce qu'il veut faire. Et là, il a l'air d'être gentil. Faut beaucoup bouger, hein. Et donc, en fait, là, il vous donne le morceau de clé, mais là, malheureusement, vu que j'en ai pas. J'ai pas eu le premier, ben. Voilà, j'ai le deuxième morceau de clé qui me servira à rien. Voilà, donc vous avez aussi des salles de challenge. Donc là, les salles de challenge avec la tête de mort, ça veut dire qu'il faut que vous ayez qu'un seul cœur. Donc là, vous voyez, par contre, là, l'effet de la salle, c'est que je ne vois pas la vie que j'ai. C'est pas grave. Je sais à peu près. Je pense que je saurai à peu près. Donc voilà, j'aurai un demi-cœur gris de moins. Là, j'ai un demi. Hop, paralysie, voilà. Un nouvel effet des pilules, paralysie. Quand vous les avez découverts, c'est bien, mais si vous utilisez pendant votre truc, hop, une pièce. Hop. Voilà, il part vite. Donc voilà, donc le. Là, vous voyez, c'est plein de caca. Hein. Donc là, le caca doré, en fait, ça vous donne voilà, une chance d'avoir une pièce ou d'avoir autre chose. On va aller voir la salle d'arcade. Donc la salle d'arcade, vous avez donc le. La machine, le bandit manchot qui vous donne, qui peut vous donner bombe, cœur, pilule, quoi d'autre, pièces, vous rendre vos pièces, vous donner un pretty fly. Dans les pretty fly, c'est des mouches protectrices qui vous tournent autour de vous, ou vous donner rien du tout. Et des fois, elle peut, la machine peut exploser et vous donner l'objet, le billet de 1$ qui vous met vos pièces à 99. Donc voilà, après celui qu'on appelle le gitan forain, et ben en fait, lui, il vous donne pièces, donc il a une chance de vous donner pièces, voilà, c'est. Et si vous ratez, voilà, c'est une mouche qui vous attaque. Donc voilà. Sinon, il a une chance de vous donner le scatolet. En fait, le scatolet, c'est un petit caca qui apparaît sur votre tête. Et en fait, vous êtes ami avec toutes les mouches du jeu. En fait, au lieu d'être méchantes et de vous attaquer, bah, elles vous attaquent plus. Elles viennent vers vous, mais elles font plus de dégâts. Même toutes les mouches, sauf les mouches explosives. Quand vous avez pu. Je vous verrai peut-être ici, si je fais pas n'importe quoi. Heureusement. Pour l'araignée, tu peux. Alors là, voilà. Vu qu'il était, il était penché, il n'était pas vulnérable. Alors ça, cet objet, c'est la tête de squelette. En fait, chaque fois que vous arrivez à un demi-cœur, bah, ça vous téléporte dans la dans la pièce précédente. Si vous êtes fait toucher au cours du machin. Là, vous avez les mouches. Voilà, toutes les mouches qui nous attaquent. C'est les mobs crasheurs de mouches. Alors ouais, voilà. Les mobs ont. Parfois une particularité, alors en hard vous êtes plus vous êtes censé plus découvrir les on va aller refresh ça, voilà, ça je vais le prendre, le Guppy Scola. Donc ce que les objets Guppy vous permettent de vous transformer en Guppy. Donc Guppy est le chat de Isaac dans le jeu, dans l'histoire du jeu. Et il a dans vos enjeux, vous pouvez devenir Guppy si vous récupérez 3 objets de Guppy. Là, j'en ai plus ou moins eu 2. Donc, si j'en retombe un, vous aurez plus de. Voilà, les mouches comme ça, voilà. Elles, c'est pareil que les mouches explosives, sauf qu'elles giclent en sang. Au lieu d'exploser, voilà. Voilà, en sang. Voilà, il y en a une, elle avait l'effet parce qu'elle était. Elle avait son effet. Ça c'est le book. Ça c'est le. Comme vous allez voir, téléparti pour les nuls. Donc ça vous permet d'avoir des tirs qui en fait vont directement sur les mobs. Mais je vais pas le prendre. Je vais essayer de le refresh. Quand je dis ou de l'auroroll, hein, ça dépend. J'aime pas les araignées. J'aime pas les araignées, elles vous foncent direct dessus, parfois elles vous évitent, elles essayent de vous brain, mais. Combien de temps il me reste? Non.
Donc pour celui-là, pour le boss rush, non, ça sera pas possible. On le fera normalement, j'essayerai de le faire sur un autre perso. Parce qu'avec celui-là, voilà, je vous explique tous les... Il faut savoir, je connais pas vraiment le nom de tous les mobs. Donc ça c'est quoi? Hop, puberté, donc, ça sert à rien, puberté. Voilà, voilà, voilà. Là vous pouvez le voir. Ces mouches-là, voilà, quand vous avez scatolé, eh ben, ça marche pas sur eux. Eux, ils connaissent pas, ils continuent leur chemin. Donc là je vais aller au magasin. Qu'y a-t-il dans le magasin? Y a rien. Par contre, il y a le... Donc voilà, la petite batterie là que vous voyez, ben, en fait c'est pour recharger votre objet. Donc là je vais aller dans la salle à côté. Donc voilà, les petits rochers noirs aussi, toujours les exploser. Donc bon, si vous n'avez pas fait le jeu, il faudra débloquer le succès ou il faut, faut en faire exploser une centaine. Et ça vous permettra d'avoir le small rock. Le small rock qui vous, en fait, vous augmente vos dégâts de 1, j'allais dire damage. Voilà, je me suis fait toucher parce que là c'est jamais facile. En fait j'aurais dû mettre une bombe en bas et avancer. Mais je ne l'ai pas fait. Donc là je vous donne quelques explications. Voilà, on va aller reroll l'objet qui est là. S'il me plaît pas, le prochain, et ben je vais aller prendre la batterie et je vais reroll. Et le prochain par contre je vais peut-être le prendre. Par contre. Je mettre aussi des bombes, voilà, nouvelle particularité. Non, je sais mettre des bombes. J'ai pris le sac de maman ou pas? Je crois pas. Voilà. Ah là là, range up, donc voilà, vos larmes vont plus loin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que... Voilà, ils ont ajouté ça dans le... Dans ce nouveau Isaac, hein, les... Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un rocher noir. Et là, ici, dans les... Voilà. Le small rock que vous pouvez avoir, donc des dommages en plus. Ça, c'est pas négligeable. Voilà, un mini-pet, donc le Harlequin Baby. Double shot, voilà, il tire en V. Et là, bon, je vais remettre une dernière bombe ici, tiens. Moi, j'utilise pas trop les bombes, sauf pour là, ça. Les bombes sont des clés. Puberté, hop, voilà. Gurdy. Gurdy, voilà, voilà, il vous crache dessus, il vous fait pop des petits pustules qui crachent du sang. Voilà, donc là, voilà, quand il vous crache devant, moi je me mets toujours devant, et quand il commence à faire hop, vous basculez sur le côté. Sinon d'habitude il fait popper des mouches, les trucs comme ça. Il y a encore la Devil Room. Là, il a préféré me donner, hop. Voilà, des coffres rouges avec pas grand chose dedans. Donc les coffres rouges, vous pouvez tomber sur des objets de guppy ou autre chose. Donc voilà, il y a là, non, je suis à 19 minutes, je suis à peine à ici. Donc voilà, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de boss rush sur celui-ci. Bon, il y aura peut-être... Nickel. Donc voilà, il y a aussi des cartes. Donc, il y a un press, ça vous fait l'effet de... D'un item qu'on a vu dans une des Devil Rooms. C'était War of Babylon. En fait, ça vous augmente les dégâts. Et War of Babylon, vous l'avez que... Que quand... D'habitude, quand vous avez un seul cœur. Là... Là, je vois pas ce que me font les... Ce que me donnent les items, en fait. D'accord. D'accord, là, c'était le 9 volts. Donc ça me permet, ouais, de recharger mon objet à fond. Et donc... je crois d'avoir une barre directe. Hop. Après, à voir... 9 volts, je crois que c'est ça, ouais, c'est la batterie qui vont. Hop. Et hop. Ah, encore un coup. Ah, voilà, ça c'est la clé squelette doré. Qui permet en fait d'ouvrir les portes sans utiliser de clé. Alors, ça aussi, nouveau trinket dans le jeu.
Ça, c'est le caca pétrifié. Donc, le caca pétrifié vous permet d'avoir eh ben, plus d'objets à tomber quand vous défaisez un caca. Voilà, il y a toujours, bien sûr, par rapport à l'ancien, les salles secrètes. Voilà. Donc là, il y a des champignons. Ah, j'ai plus de bombes. Pretty Fly, voilà, j'ai le Pretty Fly. J'en ai deux, donc qui me font une protection. Non, on va pas utiliser les bombes. On va reprendre ça. Et on va essayer de retrouver la salle. Ouais, quand on parle. Voilà, je me suis fait toucher, mais j'ai eu le temps de les buter. C'est encore un bombe arqué, donc on va pas le prendre. Donc là, je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais le prendre. Daddy Long Legs, en fait là c'est votre. C'est les. C'est le. C'est les. Comment dire? C'est le pied du papa de Isaac qui vous aide en fait. En fait il tombe sur les ennemis, vous allez le voir. Hein. Donc là je vais le laisser faire. Voilà, il tombe sur les ennemis et il fait pas mal de dégâts. C'est assez sympa. Donc c'est un. Dans l'ancien c'était un objet qu'il fallait débloquer en battant un certain boss avec un certain personnage, je sais plus lequel. Et là il est donné directement dans le jeu. Donc c'était. Ah, hop, un judge. Un petit pote qui donne. Petit mendiant qui vous donne. Qui peut vous donner un objet. Rapidement ou pas. HP up, c'est jamais méchant. Mais là, vu que je vois pas, je peux pas savoir si je peux reroll ou pas l'objet, donc c'est un peu embêtant. Donc je le prends direct. Hein. Heureusement, j'ai eu de la chance. Parce que si. Voilà, je me suis fait toucher. Parce que j'étais un peu n'importe où. Vous inquiétez pas, de toute manière, vous ferez toucher. Si vous voulez faire le jeu sans vous faire toucher, vous jouez avec The Lost. Hein. Parce que. Seul personnage que vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire un seul. Un seul. Vous pouvez pas avoir de. Hop. Donc là, j'aime pas ça. En fait, là, je reste concentré, mais j'aime pas ces mobs parce qu'ils vous tirent en fait des autres devant vous et c'est jamais sympa quoi. Ah, boss, nouveau boss, donc ça c'est. C'est la. Hop. C'est l'effet. C'est le boss 2.0. Hop. Parce qu'en fait, il y a un autre boss qui a la même tête, sauf qu'il a toujours sa tête. En fait, là, il a perdu sa tête et il a le ventre ouvert. Hein. Je sais, de toute façon, ce jeu, il a que des trucs un peu mauvais. Tu vois, pour s'amuser, on va reroll. Hein, je sais pas. Bon, j'ai bien fait de reroll, hein, ça me fait du damage en plus. Donc là, c'est une. Voilà, hop. Donc voilà, effet. Ah, j'espère que vous y voyez. Ah. Donc aussi, nouvelle particularité. Là, vous avez peut-être pas eu le temps de le voir, mais nouvelle particularité. Vous avez des crânes maintenant qui peuvent bouger dans la salle. Et en fait, il faut tuer vite fait le mob qui est dans la salle ou les mobs dans la salle pour que ces crânes disparaissent en fait. C'est un challenge en plus qui n'est pas à négliger. Sur hop. Tac. Je vais rentrer dans cette salle. Parce que j'aimerais bien avoir des objets guppy pour vous montrer comment ce que ça fait d'être guppy. Ah. La goat head, donc ça vous permet en fait, chaque fois que vous finissez un niveau, d'avoir la devil room qui apparaissent, ou la god room, hein, selon. Alors, vous avez plus de chances d'avoir les devil rooms parce que y a plus de choses qui vous le permettent, donc de rentrer donc dans ces salles là-haut, de prendre des cœurs noirs, d'ouvrir des coffres rouges si vous en avez en route, ça vous donne plus de chances d'avoir la devil room. Or que la God Room elle tombe n'importe quand. Le billet de 3 penny. Le billet de 3 penny. Lui en fait ça vous fait. Ça vous permet d'avoir les. Comment dire les. Des tirs random. Donc. C'est-à-dire. Vous tirez, un coup vous tirerez une larme. Des larmes rapidement. Des larmes qui charment vos ennemis. À peu près tous les effets qu'il y a dans le jeu.
Donc voilà, tous les effets qu'il y a dans le jeu. J'ai pas de bombe, donc je peux pas aller voir si c'est là une salle là-bas. Une salle secrète. Voilà, je fais vite. Je fais vite cette salle pour aller hop, reroll l'objet. En espérant. Parce que là, je vais aller faire en sorte de vous reroll l'objet qui est là. Hop. Infestation. Infestation, en fait, c'est chaque fois que vous faites toucher, ça vous fait sortir une mouche. Je vais le prendre. Donc. Je le prends, même si je garde ma carte. Donc voilà, môme. Donc là, voilà. J'espère que vous y voyez parce que j'ai augmenté la luminosité à. Pas à fond, mais. Hop, voilà. Donc là, je fais tellement de dégâts que ça va très vite. Donc vous voyez, donc, là pareil, quand vous finissez comme j'ai dit, bah, 9, je crois que c'est oui c'est 9 fois mom ou 10 fois, bah, au bout d'un moment elle va vous proposer de choisir entre le Polaroid, donc le blanc, ou le négatif, donc le noir. Donc ça vous permet en fait d'aller plus loin dans le jeu, bien sûr, normal. Mais en fait, vous pourrez choisir entre après le cœur de mom, en fait, d'aller ou à la cathédrale, donc côté bien, ou au Sheol, donc dans les catacombes, côté mal. Et en fait, quand vous battez le boss, pardon, d'un des deux côtés, selon ce que vous avez, donc si vous allez dans le Sheol, c'est-à-dire les catacombes, et que vous avez le négatif, vous pouvez aller dans on va dire, le trou last boss, quoi, on va dire, du niveau de quel côté vous êtes allé. Donc le négatif, vous allez après battre The Lamb, donc le trou last boss du mal. Et après Isaac, bah, vous allez battre Blue Baby, qui est dans le niveau The Chest. Et du côté du mal, c'est la Dark Room. Donc on va aller voir ce qu'il nous donne. Ah là, Krampus. Du côté de la Devil Room, voilà. Krampus, voilà, c'est un mini-boss qui est des fois dans les Devil Rooms. Et qui peut vous donner donc ou l'objet Lump of Coal. En fait, Lump of Coal, c'est un objet qui, en fait, dès que les larmes font une longue distance, bah, elles font beaucoup plus de dégâts, en fait. C'est juste pour. Ou sinon, il vous donne sa tête, et sa tête, elle est complètement pétée. Pardon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que. En fait, ce que je vais faire comme truc, c'est que chaque fois que j'ai un personnage qui est. Bah, du bon côté, donc ça veut dire qui a pas de truc qui ressemble plein à un démon, je vais aller du côté hop du mal pour aller battre bien sûr Satan, et quand je suis démon, bah, je vais passer. Donc voilà. On va faire comme ça. Je vous le dis dans ce premier épisode, comme ça vous saurez. Là. En fait, ça c'est un boss, hop, à la base. Et hop, quand vous arrivez à. Dans ces niveaux-là, en fait, vous avez ou des boss, ou des mobs. Et donc, par contre, particularité, dès que vous arrivez dans ces niveaux-là, et ben, c'est plus un demi-cœur que vous perdez, c'est un cœur entier. Donc là, il faut faire très attention, faut faire beaucoup plus attention. C'est un peu moins facile. Là, faut faire attention à vous. Et là, par contre, il n'y a plus d'item room. Là, vous allez direct vers le boss ou vers des. Voilà, là, je me suis fait avoir par le machin. J'ai perdu un cœur. Il en reste un. Voilà. Hop, ils ont tous leurs effets. Et certains mobs ont leurs effets. Bon, là, je vais rentrer. Je vais aller voir. Hein. Ok. Voilà, très bien. Bon, les pièces, ça sert plus à rien. Il n'y a plus de salle de. Il n'y a plus de salle de shop, ni rien. Là, en fait, c'est un peu. Là, je me suis fait un peu beaucoup toucher. Donc, j'ai quelques mouches. Et les mouches, comme les araignées, eh ben, elles se mettent au même niveau que vos larmes. Elles sont au même niveau que vos larmes. Donc, c'est assez pété, comme on dit. Hop, là, voilà. Ça, c'est le mini-boss. Donc, ça, c'est Envy. Qui, en fait, chaque fois que vous le tuez, bah, en fait, ses têtes se multiplient. En fait, chaque fois que vous en cassez, détruisez sa tête.
Bon, là, vu que je fais pas mal de dégâts. Eh ben, ça va vite, hein. Ça va très vite. Là, je vole pas, donc il faut. Voilà, je suis déjà au boss, très bien. Non, ça c'est pas le boss, hein. Sachant qu'il y a un boss qui est comme ça, mais bon. On va voir quel est ce boss. Pareil, là il y a deux salles. Alors ça c'est un nouveau boss. Donc il me crache dessus. Oula, oula, oula. Ouais, c'est allé très vite, hein. Parce que je fais assez, beaucoup de dégâts. Mince, j'aurais dû reroll le machin. Bon, le préfectif là, c'est pas grave. Un speed up, c'est très bien. Télépile, ça on va éviter. Ça, donc, hématésis. Voilà, ça vous le. Ça, il faut pas trop l'utiliser. Donc là, on va rentrer, on va voir. Ah bah, il y a un objet à reroll, très bien. Bah, on va l'utiliser, tiens. On va reroll. The Wafer. Donc là c'est dommage résistance. Je vais faire exploser. On va voir si je peux avoir l'autre clé. Ah ben je peux avoir l'autre clé, très bien. On va essayer de trouver l'autre bout de clé. Hop. Vous voyez, lui il fait pas les mêmes effets en fait de dégâts. Hop. Voilà, l'autre il faisait en. Voilà. Et j'ai l'autre clé. Si vous voulez, on va être gentil. Si je peux, on va y faire le méga Satan. Parce qu'en fait, cette clé vous permet d'aller à Mega Satan. Vous allez voir comment. On fera peut-être pas The Lamb. Hein. On fera Mega Satan. Est-ce que j'ai pris le damage? Ouais, c'est bon. Je vais vérifier. On va prendre The Empress. On l'utilisera peut-être sur Mega Satan. Là c'est embêtant, j'aimerais bien avoir ces deux cœurs pour être très bien. Hop, donc on va aller voir dans ce machin. Ah, voilà tout ce que je voulais. Donc là, là on va faire exploser ça et ça. Espérons qu'il file des cœurs, très bien. Et des pièces, nickel, cœurs, pièces. Donc lui c'est le même effet que lui, sauf que lui en fait il vous enlève des cœurs. Mais là vu qu'on est dans les salles. Bah, ça enlève un cœur, bah, il enlève aussi un cœur. En fait, c'est comme si vous prenez un dégât. Par contre, ah, voilà. Donc là, la blue map, en fait, vous montre les. En fait, sur la carte, là, vous voyez pas, j'ai un peu mis en opacité, je pense. Il m'affiche les deux salles secrètes. Donc il y a les salles secrètes et les ultra secrètes, en fait. Donc il y a la salle secrète et l'ultra secrète. Bon, par contre, allez. Donc, ce rire que vous entendez, si vous l'entendez bien, voilà, c'est les mains qui tombent. Et en fait, les mains font les mêmes effets que si vous connaissez The Legend of Zelda. C'est en fait, elles vous prennent et elles vous re-TP en arrière. Mais pas la salle. Ici, c'est pas la salle précédente, c'est à une salle très loin que vous avez visitée, généralement. Bon, là, ça aurait été, je pense, ici. Hop, moi lui, il s'est fait rosser directement par le pied de papa. Hop, voilà. Très bien. Nickel. Ok, hop, on va continuer à monter. On va exploser. Donc les coffres dorés ont chance aussi de vous donner des objets. Mais là, ils préfèrent donner des trucs sympathiques. Ah. Donc là pareil, vous voyez les crânes là, hop, ils sont invincibles. Si vous... Donc là je vais rentrer quand même. Voilà, deux cœurs noirs. Quoi? Ah oui! Alors là oui. Là vous allez me dire, mais tu nous as dit tout à l'heure que dans ces salles on perdait qu'un cœur. Oui, j'ai pris le damage, j'ai le damage résistance, donc ça m'enlève je pense qu'un cœur, si je me trompe pas. Parce que des fois, il y a des particularités qui font qu'au lieu de perdre un cœur, bah, vous perdez un demi-cœur. Donc voilà. On va me dire, oh putain, t'as eu de la chance. Bah oui. Non, mais... Ah voilà, ça c'est les mobs. Alors ça c'est des mobs où il faut tout le temps bouger parce qu'en fait, dès qu'il vous... Bah, dès qu'il... Si vous bougez pas, bah, il vous tire un laser dessus.
boss. Et généralement, la salle super secrète est généralement toujours hop, pas loin du boss. Donc voilà. Ah, mais j'ai pas de bombe, donc ça sert à rien. Donc, le cœur de môme. Qui dans l'ancien n'était pas du tout comme ça, hein, je vous rassure. Était beaucoup plus simple dans l'ancien. Là en fait ça va faire effet shoot them up, hop. Voilà. Si vous savez jouer au shoot them up, c'est très bien pour vous. Voilà, hop, ça je me fais toujours à plus ou moins avoir. Voilà, donc là vous voyez, vous pouvez choisir ou de descendre ou d'aller dans la lumière, donc d'aller dans le niveau cathédrale. Et selon. Ah, tiens, je vais. Non, j'ai pas de bombe. J'ai même pas de bombe. Donc voilà, donc des fois c'est la Devil Room qui apparaît, donc la Devil Room vous donnera le en fait bah, le passage pour descendre, et si vous avez une God Room, elle vous donne le halo pour monter. Et là on a pris le négatif, donc on va descendre, on va rentrer dans les catacombes. Avec sa musique assez spéciale. Ah. Les piles. Ah, j'ai pas. Mince, j'ai pas. Ouais, j'ai pas eu de bombe. J'ai pas eu de bombe, sinon ça aurait été sympa d'ouvrir. Hop. Donc là vous avez pas eu le temps de le voir, mais il y avait des c'est des mobs qui disparaissent. Hop. Tiens, je vais aller juste voir ce qu'il y a dans cette salle. Ouais, c'est un coffre basique. Mais jamais sympa. Je vérifie. Donc voilà, aussi nouvelle particularité dans le jeu, bah, c'est les. Hop. C'est les salles plus grandes. Dans l'ancien, c'était tout. Bah, les salles avaient toutes la même. Avaient tous la même taille. Toutes la même taille. Oula, oula. Avec les cailloux, c'est jamais sympa. On va attendre. Donc là, voilà, pour battre ces mobs, en fait, il faut bah, le toucher de l'autre côté. Parce qu'en fait, de face, ils sont invincibles. Et, mais leur tête derrière ne le sont pas. Hop, on va casser les crânes. C'est pareil que les champignons, les crânes. Ça vous donne une chance d'avoir. Ah, tiens, un joker. Ah, ça donne ça. Hop. Bon, on va prendre ça, même si ça, si c'est pas trop bien. Donc, ça, c'est le splat. Chaque fois que vous faites toucher, ça fait tomber un liquide bleu par terre qui, chaque fois que les mobs passent dessus, bah, ça leur fait des dégâts. Hop. Ah bah là ils ont explosé direct, ah bah là c'est ah bah c'est joli, hein, c'est joli. Alors ça c'est des mobs qui sont attachés, et dès qu'ils en fait, dès qu'ils arrivent à se détacher avec leur la force de tir, bah, de la force de tirer, et ben bah, en fait bah, c'est la nuit qui tombe. Alors ça c'est en fait c'est un, à la base c'est un boss, c'est The Fallen. Voilà, dès qu'il meurt, il se sépare en deux, et en fait dès qu'il vous fonce dessus, il vous fonce dessus, mais voilà, il vous fait ça, et ça vous fait des dégâts. Donc vous voyez, là ça fait l'effet d'eau qui tombe. Là on va grimper. Voilà, c'est les mêmes yeux que les autres, sauf qu'ils font des rayons laser. Là c'est sans plus méchant. Là, ça, oula, là c'est une grosse salle. Les grosses salles c'est généralement avec les genres de mini-boss, toujours les mini-boss. Hop, on esquive, attention. Ah bah là, ça c'est le. C'est le pied de papa qui fait tout. Là je crois qu'il devrait y avoir le boss. Non, même pas.
nickel. Voilà, merci les mouches aussi de m'aider. Donc les mouches qui me protègent. Ah non, j'ai pas de bombe. Je voulais placer une bombe, mais j'ai pas fait attention que j'avais pas de bombe. Ah, ça c'est encore... Ça aussi c'est un boss qu'on a fait, je crois, tout à l'heure. Voilà, il me fait tomber la nuit. Là, il est en deux fois. Donc lui, en fait, il faut surtout pas se mettre en dessous parce qu'en fait, sinon, il vous tire un rayon laser. Je vais aller voir la salle secrète, ce que ça me donne. Non, c'est pas là la salle secrète, c'est par là. Je me suis trompé. Ce que ça me file. Donc aussi, j'ai oublié de vous dire, chaque fois que vous découvrez une salle secrète, avant, dans l'ancien, c'est vous mettiez une bombe, vous passez, vous ressortez, bah, la salle, elle se refermait derrière, en fait. Le mur se remettait comme là, le trou que vous avez fait exploser reste. Donc là, c'est en fait, ça c'est la Dark Room. Ça c'est à quoi ressemble la Dark Room. Vous allez peut-être le voir si on y arrive. Donc là, j'ai récupéré un cœur noir. Donc là, voilà, on est à Satan. Donc à Satan à 3 à 3 phases. Donc on commence à la phase avec The Fallen qu'on a vu. Voilà, hop, on évite. Et là, on passe à Satan, première phase de Satan. Donc shoot them up, je lui passe devant. Hop. Donc c'est toujours mieux quand de le faire quand il est hop. Voilà, trop près de vous, voilà. Phase 1 terminée de Satan. Deuxième phase, donc là il vous écrase. Et en même temps il fait popper donc les petites sangsues volantes qui vous explosent à la figure si vous êtes trop près d'elles. Ou quand vous les tuez. Donc là ça va être, je pense, facile. Là il faut pas arrêter de bouger. Ou se souvenir où c'est que vont tomber les pieds de Satan. Ah, j'ai le daddy qui me m'aide en même temps. Et voilà. Donc là, vu que j'ai le négatif, dès que je rentre dans le truc, eh ben, je peux aller dans la Dark Room et donc The Lame. Si je l'ai pas, si je me suis trompé, eh ben, ça va être... voilà. Donc là, vu que j'ai la clé, ça m'ouvre la porte de Mega Satan. Ah, tiens, c'est quoi ça? Pandora Box. Le truc qui ne sert à rien, donc on va le refresh. Le pyro, notre 99 bombes, ce qui sert à rien. Un cœur comme ça. Donc là que j'ai quoi? Puberté et range up. On va utiliser range up. Et on va prendre The Empress et on va aller faire Mega Satan. Mega Satan, voilà. Le pentagramme, on va aller buter le mal. Hop, pareil, toujours effet shoot them up. Heureusement, j'ai le range. Je le trouve quand même assez simple, mais il est quand même sympathique. Voilà, il est quand même assez sympathique. Donc là, vous lui pétez ses mains, vous voulez lui péter ses... voilà, il fait ça, hop. Nice. Et pareil, lui aussi, il a deux phases. Voilà, il vous fait fauper les membres, donc là, c'est les cavaliers de l'apocalypse. Quand je ne vole pas. Hop. Donc là, nous avons mort et guerre, hop. J'essaie de... Shabba mort avant parce que voilà, il fait popper tous les trucs. Guerre. Voilà, hop. Ah là non, il m'a fait popper les 7 péchés capitaux. Oula, 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 oula. Par contre, voilà, quand il est là. C'est simple si on reste loin. Bon,
je vais quand même rester concentré. Ça, c'est la deuxième fois, je vous avoue, que je le bats. Voilà, donc là, il me met les... Hop, les 7 péchés capitaux, mais version super évoluée, quoi. Alors, méga évolution, comme on dit. Et bon, vu que je fais pas mal de dégâts, bah, ça va assez tranquille. Voilà. Vous voyez, j'ai perdu qu'un demi-cœur pour l'instant. J'ai... Hop. Pour l'instant, ça va. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Lust et colère. Oula là, il y en a 4 d'un coup. Là, ça va être du... Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ou pas. Voilà, pour l'instant, ça va. Voilà, nickel. Pour l'instant, ça se passe bien. Oula, 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 oula. Là il m'envoie les hop les anges déchus. Là, il fait le méchant. Là. Là, il fait le méchant. Voilà. Deuxième ange déchu. Donc celui avec. Oula ouais, c'est vrai, celui-là il tire en croix. Je vais zapper. Voilà. Je reste assez concentré, voilà, il fait... Ça c'est les... Là, il me met aussi les mini-boss... Les boss, pardon. Les certains boss. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Là, shoot them up, en mode shoot them up. Oula oula oula, c'est vrai que j'ai... Oula 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 oula. Monsieur s'excite, il est pas content. Et je vous avoue, il y a deux phases, voilà. Deuxième phase arrive, il reste 3 coeurs, c'est peut-être faisable, donc voilà, il se met en mode... Oula oula oula. Comment j'arrive à éviter ça? C'est les mouches qui me font éviter ça là? J'ai l'impression que c'est les mouches qui me vont. Bon ouais, il va être fastoche hein. Hop. Oula 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 oula. J'ai l'impression que c'est les mouches qui me permettent de réussir là, à pas me faire toucher en fait. Oula oula. Il y a des phases que je ne connaissais pas. Parce que quand je l'ai fait la première fois, tout allait bien. Je suis bien en mode hard là, parce que là j'ai l'impression de ne pas me faire toucher. Mon dieu, dis-moi quelque chose, je pense que j'ai cassé... Ah non, ah quand même. Hop, voilà. On commence à l'abîmer, hein. Ah voilà, c'est du challenge. Et voilà, nous l'avons battu pour cette run. Donc vous voyez, dès que vous le battez, vous avez une petite cinématique. Là, en fait, c'est Isaac qui commence à se transformer. Bon, je vais pas vous le laisser jusqu'au bout. Voilà, en fait, à la fin, bah, voilà, il est démon. Et la patte, le truc que vous voyez en bas, c'est la patte de son chat Guppy qui est mort. Et donc voilà, donc première run de fête, on a fait Méga Satan. Ah, quel prestige pour le premier run, on a fait Méga Satan. Donc voilà, donc bah, pour le prochain run, bah, on fera Magdalene. Et donc je vous remercie donc de m'avoir suivi pour ce premier épisode. J'espère que je vous ai un peu expliqué.
Là, pour le méga Satan, vu que c'était la deuxième fois vraiment que je le faisais, il y a des trucs que je me souvenais pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que méga Satan, c'est pas la peine de le faire. C'est pas obligatoire de le faire. Il n'y a pas de succès. Mais c'est sympa de le faire pour voir ce qu'il donne. Parce que c'est un challenge en plus, à faire. Et donc, c'est sympathique. Donc, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Pour vous donner vous dire les autres objets, si je tombe sur d'autres objets et choses comme ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.